Alors, le petit make-up du jour. Dans les tons, j'ai pris du violet, du rose, une touche de gris. Voilà. Make-up printanier, hein, estival. Voilà. Alors, ce que j'ai employé, donc j'ai utilisé en base mon Stay All Day de chez Essence. pardon. La numéro 9, Four Fairies. Voilà. Alors, par-dessus, sur la moitié de la paupière mobile, j'ai utilisé ici mon color infaillible de L'Oréal, le Forever Pink. Voilà. J'ai employé le violet ici de ma palette Sleek. Et pour l'estompage et la touche lumière, donc c'est mon fard essence Blockbuster, le 22, qui est vraiment génial pour ça, quoi. Les couleurs peau et enfin pour moi il fonctionne bien. Alors au niveau du crayon, donc j'ai employé mon crayon bourgeois, donc j'ai employé le côté gris ici pour faire le contour de l'œil et le côté rose pour mettre dans la muqueuse. Voilà, c'est un make-up assez facile à faire, donc je crois que il n'est vraiment pas compliqué. Alors au niveau du mascara, donc j'ai employé mon volume million de cils ici, Luminizer de chez L'Oréal, qui est vraiment bien pour les. En fait, moi j'ai pris, il y a pour les yeux foncés et il y a pour les yeux clairs. Donc j'ai employé moi j'ai celui-ci et il est légèrement bleu. Légèrement bleuté, mais bon, ça se voit pas trop. Mais et franchement, j'en suis vraiment contente. Il sépare bien les cils. Super. Un bon make-up. Un bon mascara. Bon, eh bien. Ah oui, est-ce que j'ai encore utilisé comme fard? J'ai oublié. J'ose pas trop vous le montrer parce que la palette est tombée et il y a des petits morceaux. En fait, elle est morceaux de fard. Donc ici, j'ai employé ce rose un peu fuchsia et un peu le blanc ici pour mettre un tout petit peu dans le coin interne. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. De toute façon, on va revoir ça en le faisant. Au niveau du blush, donc j'ai employé mon blush de chez Slick, le Flamingo, qui est un. C'est toujours difficile de l'ouvrir. Rose pétant, mais il est très très beau. Mais évidemment, il faut en mettre très peu hein, parce que il est. Je vais vous le swatcher comme ça au doigt. Oui, il est très très pigmenté. Donc il faut y aller. Faut pas avoir la main lourde. Voilà, mais je crois que on y est. Hein. On va commencer. Je vous rapproche. Voilà. Alors, moi je mets quand même toujours, toujours, toujours hein, une base à paupières. Donc ici, j'ai pris donc la blanche. Alors, maintenant, donc je vais prendre mon rose ici. Forfaris de chez Essence, qui est comme ceci,
Et je vais l'appliquer avec ce genre de pinceau. Je vais prendre donc mon color infaillible ici, donc le Forever Pink. Voilà. Il est comme ceci. Il est très très beau. Tous ces fards là sont splendides, hein, les colors infaillibles. Donc je prends un pinceau comme ça plat biseauté qui est pas mal, je vais me dire, parce qu'il va bien pour aller dans le coin, dans le creux aussi. Donc je vais en mettre jusque donc sur la moitié de la paupière mobile. Je frotte mon pinceau et je vais venir prendre ce rose avec le même pinceau, bien entendu. Et je vais l'appliquer donc sur la seconde moitié de ma paupière mobile, mais en chevauchant un peu le rose pour, en fait, pour les mélanger un petit peu ensemble. Je vais estomper. Maintenant, je vais prendre mon fard essence ici, voilà, Blockbuster, hein, avec un autre pinceau plat, et je vais l'appliquer donc sous le sourcil. Alors, à présent, je vais prendre mon fard violet dans ma palette Slick, avec mon pinceau estompeur. Je le trempe légèrement dedans, commencer tout petit, et donc je vais le placer. Pour commencer donc au-dessus du creux, petit à petit je vais intensifier le coin et essayer de faire un joli dégradé. Pour l'instant, je laisse comme ça, j'y reviendrai après. Je prends mon pinceau biseauté avec donc mon violet ici, et je vais faire donc le ras de cils inférieur. Je vais estomper. Ça donne, c'est pas trop mal. Je dois peut-être un tout petit peu arranger de l'autre côté.
Maintenant, je frotte de nouveau mon pinceau estompeur et je vais reprendre mon beige mat ici. Et je viens flouter les bords avec. Alors, de nouveau avec mon petit pinceau biseauté, je vais reprendre le color infaillible ici. Et je vais le mettre donc en dessous ici. Voilà, alors je regarde dans mon miroir. J'ai perdu un peu d'intensité de mon color infaillible là du coin interne. Donc je vais en réappliquer un petit peu. J'intensifie à mon gré, hein, ça, moi j'aime bien que ce soit bien intense, ça c'est au goût de chacun. Voilà, et je vais reprendre mon fard rose foncé là, je vais en remettre. Je reprends un peu le rose clair du départ et je vais le tirer un petit peu comme ça sur le rose foncé. Alors maintenant, donc je refrotte mon pinceau estompeur. Et je vais prendre ce blanc irisé. Oui, ça tombe en morceaux, mais j'ose pas vous le montrer plus parce que tout va tomber. Donc je mets simplement un petit coup dedans et je le mets vraiment vraiment ici dans le coin. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors maintenant je vais prendre donc mon je vais d'abord ranger mes affaires. Je vais prendre mon pinceau fluffy et je vais bien flouter tous mes bords. Maintenant, je vais prendre mon crayon bourgeois et je vais prendre le côté gris et je vais faire donc le ras de cils supérieur et inférieur. Donc, je vais le placer comme un eyeliner en fait. Voilà, alors maintenant je prends l'autre côté de mon crayon, c'est un, donc je prends le rose et je le mets dans la muqueuse. Alors maintenant je vais me recourber les cils et mettre le mascara et je reviens. Thank you.
Voilà. J'espère que ça vous plaît. Alors, au niveau de la poudre, donc je vais mettre celle-ci. Lèvres, donc je vais mettre ce rouge à lèvres-ci. Il est de chez Aldi, hein, Biocura. C'est le numéro 413. Et donc c'est un joli vieux rose. Je mets pas de crayon parce que bon, je ne sors pas, donc c'est juste pour le pour la, le pardon. Pour la vidéo. Donc voilà. Petits hommes sur la bouche. Une très jolie couleur, j'aime beaucoup. Elle passe un peu partout et il va avec tout ce rouge à lèvres. Donc maintenant le petit kabuki magique. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas ma page Facebook. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. N'oubliez pas de aimer, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Gros gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao!